Alors, on y va? Nous sommes dans la cuisine du racó de Can Favés, à Saint-Céloni, au pied de Montseny. Et ça, c'est le Montseny. Avec mon chef de cuisine, Philippe Serre, on va faire une recette que les ingrédients fraîches, naturels, c'est le plus important de tout. Les champignons, les légumes, la selle d'agneau. C'est un agneau vraiment, avec la graisse, il y a un goût formidable. Qu'est-ce que tu as fait avec les champignons? On les a nettoyés, on les a épluchés un petit peu, lavés le moins possible pour ne pas enlever leur goût, hein. On ne les mouille pas trop. Et les légumes? Et les légumes? Ah, les légumes, on les a juste, blanchis un petit peu dans une eau bien salée. Une cuisson un petit peu croquante. Hein. Croquante. Surtout pour l'agneau, il faut quand même enlever la panoufle ici. Mais on faut travailler à la boucherie, non? Et donc, la boucherie, non? À la boucherie, oui. Ah oui, qu'on travaille un peu le métier, hein? un peu boucher, un peu tout. Notre métier, c'est un peu tout. Bon. Alors ici, on a deux choses qui sont très bonnes à manger. Pour cette recette-là, on n'a pas besoin, mais on peut en faire bien d'autres choses. C'est excellent et évidemment... Et ça, c'est l'épigramme. On pouvait faire l'épigramme, non? Voilà. Ah, ça, donc là, on va l'assaisonner. Hein, on va prendre du sel. Mais ce n'est pas une selle de la grande, hein. C'est une selle de, n'est pas de la Camargue, c'est une selle qui vient d'Ibiza. Alors on masse d'Ibiza. Bien. On masse bien pour que le sel entre bien. Et le poivre, c'est des Jamaïcains. On a fini la démonstration, on va cuisiner. Hein. Voilà. On va bien saisir. Hein. Voilà. Et... Aïe. On va mettre un peu de la beurre, hein, voilà. Et on va mettre au four. Avec la garniture. On va sauter les champignons et un peu de beurre. Le beurre pour aider un petit peu à la coloration. On va mettre un petit peu d'échalote. De l'échalote, oui. Maintenant, l'agneau doit être cuit. Je vais sortir. On va mettre un petit mélange qu'on a fait de coriandre haché avec une bonne huile d'olive vierge. Ça qui va donner... On va mettre un peu de la sel. Un peu de fleurs de sel. De fleurs de sel, c'est exact. Et on faut récupérer les joues, hein. Alors ça, oui. on va commencer à découper, on va commencer à faire les plats. Et tu finis la sauce, hein? Ici. On peut mélanger un peu de la ciboulette, hachée, bien hachée. Un peu de persil. Les champignons, les persils, les ciboulettes. Bien. Ça va. Alors les légumes. Comment va la sauce, Philippe? Pratiquement fini? Ah, bravo! Bravo, bravo! Ça va. La moule, on va finir. La sauce est pour relever un peu le goût, mais pas excessivement de sauce. Hein. C'est ça. Simple. C'est la selle d'agneau avec les légumes et champignons.